Salut, c'est Jennifer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de 15 minutes pour renforcer le haut du corps. C'est parti! On commence par l'échauffement. Pieds en dessous des hanches, parallèles. Vous allez inspirer et monter les bras et on pousse. Étirez bien, hop! Et quand vous descendez, vous gardez les mains bien flex ici. Et on relâche, encore. On plie et on tend, hop! Et quand vous descendez, main bien flex. Encore. Tend ici. Et quand vous descendez, ici. Hop. Et cette fois-ci, on va relâcher. Hop, on va remonter. Vous allez pencher un petit peu sur le côté, puisqu'on va aussi travailler, faire un tour. Ici, on va travailler le dos. On va tout travailler le haut du corps. Attention quand vous allez derrière, à ne pas casser trop la nuque. Hop. Et on recommence. Encore. Encore une dernière fois. Ici. Et ici. On revient toujours devant. Hop. Et on déroule. Ok. Pour cette séance, je vous invite à prendre des petites bouteilles d'eau pour lester un petit peu au niveau des bras. Si vous n'en avez pas et que vous avez des haltères, c'est la même chose, ok? Alors, on va commencer par faire des biceps. Tout simplement, vous gardez la même position qu'à l'échauffement. On serre bien le ventre. Il faut juste plier un petit peu. Hop, on garde bien les épaules en arrière, d'accord? La position, elle est ici. Pas comme ça, c'est très mauvais. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Bon, avec des bouteilles d'eau. 6, 7, 8. 9, 10, on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je fais un peu rapide parce que les bouteilles d'eau, c'est un peu léger. 19 et 20. Hop, on repart ici. Je passe les bouteilles d'eau parallèles à mon corps. Je vais plier encore un petit peu plus et pencher mon dos pour aller travailler les triceps derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, je me redresse et je fais les épaules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on réenchaîne avec les biceps, c'est parti, 1, allez on fait un peu rapide, 3, 4, si vous avez des plus grosses bouteilles d'eau, ça marche aussi, justement ça fera un petit peu plus lourd, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, ici, triceps, placez-vous tout de suite, serrez bien ici au niveau du ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on continue, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez courage, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, on enchaîne avec les épaules. 1, c'est le deuxième tour, 2, 3, 4, allez courage, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste un peu, je fais exprès d'aller vite. Hein. Comme c'est des bouteilles d'eau, c'est pas très très lourd, donc il faut aller rapidement pour que ça chauffe bien dans les épaules et dans les bras. Troisième tour, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'au bout 15, 16, 17, 18, 19
20. On enchaîne les triceps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on reste avec moi, le même rythme que moi. 8, 9, 10, 11. Courage. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On enchaîne avec les épaules. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 9, 10, 11, 12, allez courage, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste un peu, allez courage, ça chauffe un peu, c'est fait pour, et on relâche. Ok, relâchez un petit peu les épaules, les bras. On va enchaîner sur un autre circuit. Alors là, on va travailler plus le dos, d'accord? Ce que je veux, c'est que vous soyez, comme tout à l'heure quand on faisait les triceps, avec une colonne vertébrale tout alignée, sans casser la nuque et sans les épaules ici, d'accord? Quasimodo, on évite. Hop, on redresse ici, on rentre le ventre et on reste là. Vous allez faire comme un oiseau. Je colle mes bouteilles, hop, et je vais chercher derrière. Vous allez avoir les omoplates qui chauffent. C'est parti, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, il faut que vous sentiez vos omoplates qui se touchent. 8, 9, 10, 11, on va jusqu'à 20, 12, 13, 14, 15, 16, allez courage, 17, 18, 19 et 20. Je reste ici et là je vais travailler mes obliques. 1, 2, 3, 4. Bien évidemment, j'ai le bassin verrouillé, mes hanches ne bougent pas. 9, 10, je continue encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et je serre très très fort mon nombril. 6, 7, 8, 9 et ça fait 20. Ok, je me redresse doucement. Et là, je vais porter mes bouteilles comme si mes mains, c'était des plateaux, d'accord? Et je vais aller faire des ronds ici. 2, pareil, sous les omoplates. 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez sentir vos omoplates qui bougent, tous les petits muscles des omoplates. 8, 9, 10, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, si je vous monte derrière, 5, vous devez voir mes omoplates, 6 qui bougent, 7, tous les petits muscles, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok, on recommence, deuxième tour, hop, c'est parti. 1, l'oiseau, 2, 3, on va un peu plus vite parce que maintenant vous avez compris, 5, 6, 7, 8, 9, allez courage, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, encore, 17, 18, 19 et 20. Je reste ici, les obliques et 1, je serre très fort le nombril, 2, 3, 4, encore, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je continue. 1, on lâche pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, 10. Hop, je reviens. Le plateau. 1, 2, allez, bougez bien les omoplates. 3, 4, 5. 6, courage, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, restez avec moi, 8, 9, même si ça chauffe, et 10, on enchaîne le troisième tour, c'est parti, allez, go, 1, 2, 3, 4, pareil, on respire, on expire.
Quand on contracte. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. 8, 9 et 10. Ça doit bien se chauffer dans les trapèzes. Juste ici. Et c'est parti, oblique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, courage, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, on continue, 13, 14, dynamique, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop, on se redresse et le plateau, 1, 2, 3. Celui-là, je vais un peu plus lentement parce que je veux vraiment que vous sentiez les muscles entre les omoplates. 8, 9, 10 et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus vous faites grand et 10 et plus ça travaille. Ok, on va passer au sol. Et puisque les abdos font partie du haut du corps, on va travailler les abdos. Au sol, hop, on s'allonge. On attrape toujours cette petite bouteille d'eau ou ces haltères si vous avez. Et vous allez les mettre en face de vos yeux. D'accord? On inspire et on monte. 1, 2. Attention, je ne veux pas que vous colliez votre bouteille ou votre haltère au niveau du front. Déjà parce que ça fait mal. Et parce que je veux vraiment que vous ayez le poids aussi dans les bras. Ça doit faire 10. Encore. 11. 12. 13. 14. Et on souffle. 15. Encore. 16. 17. 18. 19. Et 20. Hop. Je relâche ici. Je rapproche mes talons au niveau des fessiers. Je monte les bouteilles, hop, et je vais toucher mes chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, je veux que vous gardiez les bouteilles pour avoir le poids des bouteilles dans les bras. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on continue, on refait la même chose. C'est parti. 1, 2, et je souffle. 3, 4, 5, 6, 7. Si vous commencez à avoir mal à la nuque, on pose une bouteille sans s'arrêter et on met une main derrière la tête. Vous avez le droit. Ça fait 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, je relâche. Je mets les bouteilles ici. Je rapproche mes talons des fessiers. Le transverse est serré et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes! Je peux relâcher mes bouteilles, c'est pas fini. Une petite partie gainage. Hop! Ici, tout simplement une planche et on respire. C'est parti. Attention, je veux pas de cuillère. Et je veux pas de tour Eiffel non plus, d'accord? Je reste ici, hop, je serre bien et je respire. C'est juste pour terminer la séance. On reste un peu, on reste un peu. Encore, 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 encore. On résiste. Allez, encore un petit peu. On résiste, on résiste. On relâche. Ok. Allez, venez ici, détendez. Détendez les bras, allez chercher bien, bien loin. Respirez. Hop. On peut mettre les bouteilles sur le côté. On va venir juste étirer les triceps. Et on va aller un tout petit peu plus loin en mettant la hanche sur le côté pour étirer aussi au niveau des côtes. Hop. Tous les intercostaux. Qui mine de rien travaille bien aussi.
hop, ici. Et on va se faire un petit chien tête en bas, histoire d'étirer bien, bien, bien le dos. Vous pouvez garder les jambes pliées. Essayez d'aller toucher votre tête sur le tapis. Hop, ok. Et on remonte tout doucement, en déroulant vertèbre par vertèbre. Et ça y est, on a terminé la séance de renforcement musculaire sur le haut du corps. Bien sûr, elle peut s'enchaîner avec les 15 minutes de renforcement musculaire sur le bas du corps, sur les abdos ou celle de cardio. Toutes les séances peuvent s'enchaîner, il faut juste être régulier. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt sur Doctissimo Maman. Salut !